cessez le feu, des affrontements sont entendus à l'est de la République démocratique du Congo, dans les territoires de Masisi, province du Nord Kivu. Qu'est-ce qu'il faut noter? Entre les M23 et les Wazalendo, qui est le premier à attaquer les positions de l'autre? Pour en parler, sur Congo Live Télévision, j'ai l'honneur de recevoir Moïse Hangi, un jeune Muzalendo, un acteur de la société civile, avec qui nous allons aborder toutes ces questions de la sécurité à l'est du Congo. Moïse, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à vous, très cher David. Bonjour également à tous les VDP, à tous les patriotes résistants Wazalendo qui nous reçoivent partout à travers la province du Nord Kivu. Vous êtes sur toutes les lignes de front dans les territoires de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, également dans les Lubero. Très chers compatriotes, nous sommes de cœur. Nous sommes ensemble. Je profite donc d'adresser mes salutations patriotiques à votre égard. Je ne peux pas ne pas manquer également à saluer nos milliers et centaines de téléspectateurs internautes scotchés partout à travers toute la diaspora congolaise, tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo. Vous êtes encore préoccupés de la situation sécuritaire qui prévaut sur l'ensemble de la partie est de la République démocratique du Congo. Très chers téléspectateurs, encore une fois, bonjour et merci beaucoup pour votre attention. C'était autour de 5h locales de ce mardi que quelques tirs ont encore été entendus pendant plusieurs minutes, pendant plusieurs heures, on peut le dire, vers l'ouest de la cité de Sake, où de rudes affrontements ont été signalés entre les jeunes résistants Wazalendo et le rebelle du M23. Selon plusieurs sources dans la zone, les rebelles du M23 seraient le premier à attaquer la position des jeunes volontaires engagés pour la défense de la patrie. Ainsi, des rudes affrontements ont été éclatés, dira toute la journée de ce mardi et jusqu'à 17h, que ces affrontements, que les armes ne se sont plus fait entendre dans plusieurs agglomérations autour de Sake. Monsieur Moïse, il y a quelques paniques hier qui a été soulevée ce qui concerne les affrontements à Sake. Qu'est-ce qu'il faut noter? Vous êtes de la société civile et quelle a été la suite de ces affrontements? Alors, merci. Il faut ici avouer et clarifier le fait que toute la journée d'hier a été tendue dans les Masisi, à la suite certainement de la provocation des rebelles du M23 vis-à-vis des positions des jeunes résistants patriotes Wazalendo dans cette partie de la province du Nord Kivu. Nous avons été émerveillés par la prouesse, la détermination qui a caractérisé les jeunes volontaires engagés pour la défense de la patrie, qui n'ont pas hésité certainement à riposter avec toute détermination. Maintenant là, les rebelles du M23 sont vraiment en débandade et sont au point certainement d'être boutés hors d'état de nuire sur plusieurs entités dans les territoires de Masisi. Au même moment, nous relevons le fait que c'est une violation de plus de la mesure portant cesser les faits tels que conclu à Luanda entre les chefs de la diplomatie congolaise et celui du Rwanda, très précisément, Madame Thérèse Kayikwamba, ambassadeur de la République démocratique du Congo et les représentants du président Paul Kagame. Nous pensons que cette énième violation du cessez-le-feu devrait attirer l'attention du facilitateur João Lourenço, président de l'Angora, parce qu'en fait, nous remarquons que l'ennemi, très précisément les rebelles du M23, toute la coalition AFC-RDF sont déterminés à piétiner toutes les résolutions et toutes les mesures qui sont en train d'être prises à Luanda, preuve de plus pour la République démocratique du Congo de ne pas aussi respecter ce genre de mesures. On en parlait aussi aujourd'hui, l'État qu'au niveau de Luanda, il y a des accords qui ont été signés à l'adolescence des respects. Plutôt des résolutions, jusque-là on n'a pas encore signé le projet d'accord de paix soumis par le facilitateur. Nous sommes en train plutôt de prendre une série de mesures et de clauses. Malheureusement, ces dernières ne sont toujours pas en train d'être respectées par l'M23, donc les forces armées rwandaises, parce que c'est en fait en gros ce qu'il faut parler. Que de parler du M23 RDF, c'est mieux de parler des forces armées rwandaises qui se retrouvent sur le sol congolais. Les militaires de M. Paul Kagame aujourd'hui continuent d'opérer sur le sol de Mary Patrice Lumumba, sur le sol du fait Étienne Tshisekedi du Wamulumba, raison pour laquelle nous sommes appelés à nous mobiliser en tant que peuple, en tant que République démocratique du Congo,
pour faire face à cette guerre d'agression nous imposée par Kagame, soutenue par les impérialistes. Quelles sont ces raisons-là qui poussent aujourd'hui que ces derniers ne respectent pas les cessez-le-feu, qui les piétinent au vu de tout le monde comme ça? Ils ont toujours été habitués à ce genre de comportement. Ils ne respectent toujours pas leur engagement. Raison de plus pour nous de nous inquiéter même de l'issue du processus de Luanda, déjà engagé de l'autre côté par les autorités congolaises au niveau de Kinshasa. Kagame ne respecte toujours pas ses engagements. Nous pouvons l'accorder même tout un paradis, mais il va encore surgir. C'est donc important qu'on essaie un peu maintenant de prendre conscience d'abord de ces comportements de notre adversaire, très malin, très rusé, pour envisager maintenant des stratégies de contre qui vont nous permettre de les contrecarrer également. Et la première des stratégies, c'est exactement le front militaire qui doit être toujours au rendez-vous. Les dames et messieurs, c'est sur Congo Live Télévision dont vous suivez ces informations. Et ni l'ailleurs, quelques obus largués par les M23 sont tombés dans la cité de Sake sans faire beaucoup de dégâts. La cité est affaiblement peuplée. Par ailleurs, le village de Kashuga, dans la localité de Mouessou, s'est réveillé aussi dans la calmie ce mardi. Ceci après de rudes affrontements dans la matinée de lundi entre les M23 et les jeunes résistants Wazalendo. Selon plusieurs sources, les résistants Wazalendo ne se sont pas aussi laissés duper par les rebelles du M23. Ils ont également attaqué plusieurs collines où les rebelles du M23 tenaient leur position. Selon plusieurs sources, plusieurs militaires rwandais ont perdu la vie lors de ces Comme accrochages. toujours. Ils ont perdu la vie. Mais malgré cela, ils reviennent 10 jours au lendemain. C'est une autre question d'une autre forme. Ils peuvent mourir, on peut signaler la mort dans les rangs des rebelles du M23, mais on voit toujours un renforcement massif, un courage qui ne dit pas son nom dans les rangs des rebelles du M23. Alors, moi, je crois que aussi longtemps que Kagame n'a pas compris qu'il faut qu'il arrête d'envoyer ses lieutenants, ses éléments sur le sol congolais, ils vont toujours continuer à constituer notre, comment dire, comment je qualifie ça la pluie, ils Vous vont poussez enrichir toujours notre sol, ils vont essayer un les peu engrais certainement de constituer des engrais dans les chimiques pour sources. notre sol. Mais évidemment, parce qu'en fait, c'est des compatriotes qui sont en train de mourir dans une affaire qu'ils ne maîtrisent pas. Comme qui dirait, lorsque nous étions des enfants. Le président Paul Kagame devrait arrêter de sacrifier ses jeunes, qui devraient être demain l'élite du Rwanda. Mais malheureusement, comme il est animé par un esprit d'un génocidaire, d'un criminel, il continue à sacrifier la jeunesse rwandaise. Ici, l'occasion pour moi d'inviter les jeunes à se désolidariser avec cette manipulation du régime finissant de M. Paul Kagame. Et s'ils ne veulent pas, ils vont finir ici. Ils vont constituer notre engrais chimique. Le VDP reste déterminé à faire face à toutes leurs velléités. Raison pour laquelle vous remarquez qu'à chaque fois qu'on essaie de l'envoyer ici, ils sont frappés jusqu'à leur dernier retranchement. Et c'est comme ça que nous sommes entrés, donc ils sont entrés d'enregistrer des pertes chaque jour, du jour au lendemain. Ce n'est pas seulement dans les territoires de Masisi, même dans les territoires de Rutshuru. Les rebelles du M23 perdent beaucoup d'éléments. Encore qu'ils continuent à envoyer des Kamaz, des camions, des militaires, mais ces gens ne rentrent pas. Kagame déverse ses militaires ici, mais en tout cas, il se heurte à la bravoure des jeunes résistants Wazalendo. Il se heurte certainement à la détermination de FARDC. C'est comme ça qu'ils enregistrent chaque jour des pertes. Moi, je pense qu'il devrait essayer un peu de se ressaisir et d'arrêter d'envoyer ses militaires sur le sol congolais. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais envoyé un militaire FARDC au Rwanda. Aucun même Mouzalendo, sauf seulement juste 3 militaires révoltés, indignés de cette guerre d'agression qui avaient décidé d'orienter des tirs au Rwanda. Vous vous rappelez, très récemment, nous avons eu aussi un autre Vaya comme ça. Mais j'imagine que c'est une situation pareille qui risque de surgir aussi longtemps que Kagame continue à se comporter comme tel. Nous risquons aussi d'avoir des Vaya militaires qui vont décider sans avoir les mots d'ordre de Kinshasa, il faut ouvrir le feu directement contre Gisenyi. Ne soyez pas surpris qu'il y ait même des bombes lancées à partir de Goma
orienté au niveau de Gisenyi et au niveau de Kigali. Et Kagame va donc en payer les lourds prix. Mais avant qu'on y arrive, je pense qu'il devrait se ressaisir. Nous n'avons pas de problème avec les Rwandais. Nous avons plutôt un problème avec le chef de l'État rwandais, le criminel sanguinaire Paul Kagame, qui continue d'envoyer ses militaires sur le sol congolais. Alors, dans les territoires de Masisi, par exemple, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des jeunes qui ont un secret des ancêtres. Donc, c'est des jeunes déterminés plus que jamais. Le VDP, ils ont la force ancestrale. Vous pouvez même tirer sur eux et la balle ne va pas entrer. Alors, quand vous continuez à envoyer vos militaires là-bas, comprenez que vous les sacrifiez. Vous les envoyez pour constituer notre engrais chimique. Je crois qu'il est temps pour le président rwandais de retirer ses militaires sur le sol congolais et de faire en sorte que nous puissions vivre en pleine harmonie. Mais s'il ne le fait pas, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à plus de 12 millions de Congolais massacrés dans cette crise par les militaires rwandais, les forces armées rwandaises déployées en RDC. Je pense que nous n'aurons pas d'autre choix que maintenant d'assister à une guerre directe entre la République démocratique du Congo et les Rwandais. Et nous ne les souhaitons pas parce qu'en fait, nous sommes naturellement des pacifistes. Nous sommes un peuple hospitalier. Nous recevons toujours les Rwandais comme pas de, avec pas vraiment beaucoup de problèmes. Jusqu'aujourd'hui, même les frontières sont ouvertes. Les Rwandais vivent grâce à la ville de Goma. Mais Monsieur Kagame ne veut pas, en tout cas, que nous puissions vivre en paix. Il continue certainement de poursuivre ses avancées bellicistes avec un plan machiavélique qu'il a contre l'Est de notre pays. Très cher VDP, félicitations. Ne croisez pas les bras, ne lâchez pas. Vous avez le soutien de tout le peuple congolais, vous avez le soutien des ancêtres. Nous n'avons pas de problème. Le président Kagame lui-même considère que les droits internationaux obligent aux États de respecter ce qu'on appelle le principe de l'inviolabilité des frontières. Mais ce n'est pas le cas parce qu'aujourd'hui, lui continue d'envoyer ses militaires ici. Nous ne savons pas s'il a des terres ici, encore que ça doit être plutôt le verse. Monsieur le journaliste, moi personnellement, je suis indigné. J'ai une certaine colère qui m'anime, vous n'avez pas idée, par rapport au président Paul Kagame. En tout cas, si aujourd'hui cette guerre n'a pas encore pris fin, c'est parce qu'il ne le veut pas. Un jour, il le voudra, ça prendra fin. Mais au même moment, nous ne devons pas perdre de vue. En tant qu'État, en tant que des Congolais, nous devons défendre nos terres. Et personne ne peut nous en vouloir pour ça. C'est le travail que le vrai VDP sont en train de faire. C'est le travail que l'armée congolaise, les forces armées, la République démocratique du Congo, avec toutes les difficultés logistiques, stratégiques qu'ils ont, ils sont quand même en train de faire le meilleur d'eux-mêmes. Et à notre niveau, en tant que société civile, en tant que des Oisalendo, parce que quand on parle de Oisalendo, ça veut dire patriote, nous sommes aussi derrière cette cause nationale et nous gardons l'espoir que nous parviendrons à mettre un terme à cette barbarie rwandaise. Les mêmes sources ajoutent que les combattants Oisalendo ont attaqué le rebelle du M23, notamment sur la colline Vunano, près de Kirotie, aussi de Desake, et sur la colline Rutoboko, sur l'axe Mouchak vers l'ouest de la même cité Desake. Et la même question revient encore aujourd'hui. Les jeunes résistants Oisalendo se battent. Nous voyons comment est-ce qu'il y a des combats signalés entre eux et les rebelles du M23. Mais la question reste aussi de savoir, de leur part, est-ce qu'il y a eu vraiment, est-ce qu'il y a des réponses aussi significatives qu'on peut noter de la part des Oisalendo vis-à-vis des rebelles du M23? Ni Tété le Oisalendo, la ville de Goma serait aujourd'hui sous le contrôle des rebelles du M23, qui l'ignore. Ni Tété les efforts déployés par le vrai VDP, messieurs les journalistes, le M23 se retrouverait aujourd'hui à Sake, mais il se contente à larguer des bombes et des obus dans la cité de Sake, bien que c'est vraiment dépeuplé, plusieurs compatriotes ont quitté Sake. Ils sont maintenant dans des cas de déplacés, mais il faut reconnaître le fait que c'est grâce aux efforts de Oisalendo, c'est grâce à la détermination des VDP que toutes ces entités ne sont pas encore passées sous l'emprise des rebelles du M23. Au même moment, nous sommes conscients tous des difficultés logistiques auxquelles ces vaillants font face, autant que l'armée congolaise aujourd'hui qui est contrainte de respecter les diktats des politiques et les résolutions qui sortent de Luanda et dans d'autres salons diplomatiques. C'est aussi ça le challenge, c'est aussi ça le défi majeur. Au même moment, l'armée est déterminée à poursuivre l'ennemi, les Oisalendo également, mais il y a les politiques qui s'invitent
et qui s'ingère. Et ça fait que par moment, on n'a pas le choix que de respecter les clauses qui sont conclues de l'autre côté. Malheureusement, nous nous rendons compte que ce n'est pas le cas pour l'adversaire. Il reste aussi, en tout cas, dans ses velléités. Il veut toujours nous en vouloir. Il veut piétiner toutes les mesures qui sont prises de l'autre côté. La raison pour laquelle j'insiste, en tout cas, sur la nécessité pour Kinshasa d'équilibrer les fronts militaires et les fronts diplomatiques. Ne perdons pas de vue. Si nous serons en position de force sur terrain, sur la table des discussions, nous allons imposer notre agenda. Nous allons devoir certainement nous imposer. Mais si c'est l'inverse, nous n'aurons pas d'autre choix que de nous incliner au caprice du président rwandais, Paul Kagame. Encore qu'il a des alibis qui n'ont ni tête ni queue, qu'il essaie un peu de brandir. Ils font qu'on les frappe de manière déterminante sur terrain. Et au niveau de Luanda, il n'aura pas de discours. Il ne va rien dire. Parce qu'en fait, tous ces compatriotes qui sont déjà décédés dans cette crise, c'est des innocents, c'est des Congolais qui devraient aider ces pays dans l'avenir. Mais parce que le président rwandais l'a voulu, il a ôté la vie de tous ces Congolais. 12 millions. Je crois que dans l'avenir, il pourra aussi payer cher de tous ces crimes, de tout ce qu'il a commis comme certainement bavure ici à l'est de la République démocratique du Congo. Justice sera faite un jour en mémoire de tous les Congolais tués au niveau des Masisi, au niveau des Rutshuru, au niveau des Lubero. Nous revendiquerons un jour que l'on essaie un peu certainement de nous dédommager par rapport à toutes les ressources naturelles que le Rwanda continue d'exploiter de manière illicite sur les sols congolais. Ils exploitent Rubaya aujourd'hui. Des tonnes et des tonnes de cuivre, de cobalt, de manganèse sont récupérées par les forces armées rwandaises sous le label du M23. Kagame continue d'exploiter Bunagana. Ce n'est pas dans son pays. Je n'ai pas vu un seul Congolais qui est parti au Rwanda pour exploiter les ressources naturelles. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils en ont. Je n'ai pas encore vu un Congolais qui traverse la frontière de manière irrégulière pour aller récupérer les maïs, les pommes de terre au Rwanda. Mais c'est le cas pour les rebelles du M23 et pour les militaires rwandais. Nos mamans, nos jeunes sont en train d'exploiter les maïs à Rutshuru. Les pommes de terre, les patates douces, c'est maintenant Kagame qui envoie ses militaires pour venir récolter là où ils n'ont pas semé. Et ils viennent revendre le même produit, les mêmes denrées alimentaires au niveau de la petite et grande barrière. Maintenant, c'est le tour des Masisi où les affrontements reviennent encore, alors qu'il y a un processus déjà qui est en cours et qui obligeait aux deux parties de ne pas se battre et d'observer un cessez-le-feu. Comprenons, très chers compatriotes, que nous faisons face à un adversaire rusé. Et cette guerre, ça doit être populaire. Ne la laissons pas seulement au président Tshisekedi. Lui, c'est un peu rien. Ne la laissons pas à Madame Judith Suminwa, encore moins au chef d'état-major général des FARDC. Essayons un peu de nous l'approprier, nous tous, en tant que peuple, parce qu'en fait, Tshisekedi va partir après 5 ans, le Congo restera comme tel. Le M23 n'est pas venu avec Tshisekedi. Le M23 était venu bien avant que le président Tshisekedi règne. Alors, nous devons comprendre que c'est une question de la nation, une question d'intérêt commun. Toute la diaspora qui nous suit à pareils instants, très chers compatriotes, j'ai toujours été fier de vous parce que vous êtes des vaillants, vous êtes des braves, vous avez en tout cas un amour profond vis-à-vis de ces pays. Faites preuve de celui-là. Essayez un peu d'assister les déplacés de guerre. Essayez un peu de nous aider également à faire le plaidoyer auprès de Kinshasa, auprès des autorités de Kinshasa, pour que nous puissions avoir des meilleures stratégies pouvant nous permettre de mettre un terme à cette guerre d'agression. Si vous avez la possibilité, soutenez les Oisalendo matériellement, financièrement, pour qu'ils en arrivent au bout de cette guerre. Mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous vous disons merci de votre fidélité et de partout où vous nous aviez suivis à ces jours. Vous suivez la situation sécuritaire à l'est de la RDC depuis loin. Je sais que certains d'entre vous sont dans la diaspora et d'autres en République démocratique du Congo. Mais si nous ne pouvons pas aussi finir cette émission sans placer un mot à tous ces déplacés de guerre. Ces déplacés aujourd'hui meurtris par la guerre, mais qui semblent perdre l'espoir, pendant que c'est l'espoir qui reste qu'au Congolais face à la situation à l'est du Congo. Bien évidemment, nous ne devons pas perdre l'espoir, nous devons toujours l'avoir. Nous avons une pensée pieuse à l'endroit de tous ces milliers et centaines de déplacés de guerre qui traversent un calvaire indescriptible
aux environs de la ville de Goma. Et même dans la ville, il y en a qui ont été reçus dans des familles d'accueil. Très chers compatriotes, encore une fois, nous lançons un SOS à votre égard vis-à-vis de cette souffrance que traversent les déplacés de guerre. Autant que nous devons soutenir le jeune résistant patriote Ouazalendo, le militaire FRDC, autant que les déplacés de guerre ont besoin de l'assistance humanitaire, autant qu'ils ont besoin à long terme de rentrer dans leurs villages respectifs. Faites preuve en tout cas de l'Ubuntu, de la solidarité en l'air. Égard, et je crois que ça sera une bonne chose qui pourra certainement réjouir 3, 4 ou 5 familles. Aidez-nous en tout cas à faire un petit geste dans ce sens et ça va être quelque chose de très bénéfique à nous tous. Encore une fois, ne perdons pas l'espoir, nous tous. Gardons le même élan d'espoir, restons unis, restons mobilisés. Nous allons devoir mettre un terme à cette barbarie rwandaise. Les dames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous disons merci, vous tous qui nous aviez suivis à ce jour sur Congo Live Télévision. Ça nous honore de vous savoir nombreux. Ça nous a honoré de vous savoir nombreux tous les jours sur Congo Live Télévision. Nous vous souhaitons une bonne journée. Nous disons également merci à Moïse Hangui d'avoir répondu à notre invitation. Ainsi. Merci David, c'était vraiment un intense plaisir pour moi. Je reste joignable au plus 243 99 25 42 946 99 25 42 946. Nous vous mettrions au courant certainement de l'évolution de la situation pour une prochaine occasion. Restez branchés sur Congo Live pour ne pas rater l'information sécuritaire en exclusivité et en temps réel. Moïse Hangui, Ouazalendo, c'est bien moi. À très bientôt. Ciao.